attention, please. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode sur RimWorld en Alpha 12. Donc on a énormément de difficultés pour le moment à faire notre base. Je galère, je avoue que je galère. c'est vraiment la galère quoi. Alors, on va passer par les prévisions. Donc ici, je sais que c'était des chambres de 6 par 6, me semble-t-il. C'est pour pouvoir replacer mes murs. Et en théorie... Voilà. Mauvaise humeur, oui, bah, je m'en doute. Donc là, par contre, ça m'arrange pas cette zone-là. Il va falloir que je l'aménage celle-ci. Donc je vais peut-être me coller un couloir de 3. Histoire de. Et voir ce que je peux faire. Donc les murs, structure. Donc ici, on sait qu'automatiquement on va avoir un mur. On sait qu'on va en avoir un là. On sait qu'on va en avoir un là. Voilà. Les portes. Là, 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 là. On sait qu'on va avoir un mur ici. Là, c'est un mur. Des portes. Pourquoi je suis décalé dans mes portes? Non, elle sera ici. Là. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Là, il faut que j'annule. Là, il faut que j'annule. Et là, il faut que j'annule. Ça me plaît pas, ça. On va peut-être plutôt faire une zone de stockage ici. Quoi ? Capsule de cargo. Qu'est-ce qu'on nous donne de beau ? De quoi faire des vêtements. Ça, c'est de la laine. Alors, on revient là. Ici, on va se mettre une porte. On va essayer de faire une zone de stockage ici. Ordre. Zone de stockage. Là-dedans, mais non, c'était notre salle à manger qui allait jusqu'au bout là. Non, j'ai fait une bêtise. Pause. Non, bon, on va la laisser comme ça. Tant pis. Équipement. Table. Non, pas table courte. On boit. Ici c'est que une salle à manger. Donc une table là. Une table là. Avec des chaises en bois. 4. Nos batteries sont blindées.
ça va, ma vieille tourelle. Tiens, le choc, elles sont toutes faites, nos tourelles. Non, ici, elles sont pas faites. Elles sont... Waouh, je les ai annulées. Je les ai annulées. Le blaireau. Je les avais annulées. Là, ok, c'est bien. Ici, j'en ai annulé une aussi. Non, elle est là. Là, je voulais en coller une quatrième. Ici. Voilà. Allez, il nous faut du métal, là, les gars. De l'acier. Donc, allez, ramasse, et puis... Ah, j'ai envie de coller quelqu'un au ménage. Hein. Freya. Blevin, c'est... Allez, tu vas faire le ménage en priorité d'abord. Même si t'es un très bon mineur, voilà, fais-moi le ménage parce que... Ah, 7% de chance de... Domestiquer le sanglier. Quoi, mauvaise humeur, qui encore? Pourquoi t'es de mauvaise humeur? Qu'est-ce que tu as? Nourriture, beauté, confort, repos, chrome dysplasie. Ah bah oui, mais c'est sale, mais je sais, mais justement, il faut nettoyer. À manger de la viande crue. Oui, vous avez qu'à construire de quoi la cuisinière. Vous êtes bien gentil. Moi, je veux bien vous faire manger autre chose que de la viande crue. C'est vous qui bossez, les gars. Hein. Moi, je peux pas le faire pour vous. À part activer le cheat mode, je peux pas faire grand chose pour vous. Ah, ça sera peut-être un peu plus propre, vous serez un peu moins énervé. C'est bon, il nettoie, Blevins. Il est tout nu. C'est pas un nudiste quand même, j'ai pas vérifié. Matériel. Il a un pantalon médiocre. Ouais, c'est pas un nudiste. Capsule de cargo. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Du tissu. Pas gentil, Léa, avec nous. C'est bien beau, le tissu, mais personnellement, je préférais... Oh, attendez, je vais couper les sonneries. Énerve. Voilà, on va baisser le volume de sonnerie du téléphone. Tout le temps, c'est épuisant. Alors, par contre, du coup, j'ai bien envie de virer cette zone. Voilà, comme ça, il nous mettra tout ce qu'il faut là-dedans. Mais ça bouffe pour le moment, il crève pas de faim.
part, il n'y a plus de bois. Pourtant, on a bois coupé. Work. Forestier. Tu chasses. Tu cuisines. Pour le moment, tu peux pas cuisiner. Et ben, tu vas couper du bois. Mauvaise humeur, c'est que j'ai pas eu le temps de boire. Peut-être s'arranger. Faut pas désespérer. La saison d'été vient de commencer. Aïe aïe aïe. Faire cette zone de agricole de et je sais pas ce que c'est, je sais plus à quoi ça sert, c'est du diable d'eau, je sais plus à quoi sert le diable d'eau, donc je vais le faire mais je sais plus à quoi il sert. Donc Blewins, tu te remets à miner parce que tu considères que t'as rien à nettoyer. Si c'est bon, il mine et il nettoie en même temps. Pas mal, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça commence à prendre de l'allure. Là, ils ont une salle à manger pour manger. C'est déjà pas mal ça. On pourrait leur commencer à leur mettre de la lumière dans. Alors, équipement. Alors, dans la salle à manger. Faudrait m'attaquer les chambres. Alors là par contre, ici pareil, structure, on a normalement mur. Je peux pas, pourquoi? Là c'est bon, on stoppe. Non, là il veut pas que je construise. Ah, pas le castor. Oula. Alors ça, faut chasser, il n'y a pas le choix. Un afflux bouffe, mais là je peux pas construire. Pourquoi? On a quoi ici? Plafond bâti. Boum. La boue. D'accord. C'est la boue. On aurait pu faire des cultures en intérieur aussi. Plutôt que des chambres. De la terre, on verra ça. Ciel ouvert, à
Bon. Bon, bon. Problème avec l'acier. Et tant que ma table de recherche est pas faite, je peux pas transformer tout ça en bloc de pierre. Non, on n'a pas de défense du tout. Si on a un raid, on est mal. Je sais plus combien épisode. Si on est le 5e, 4e, je sais plus. Donc, je vérifie que je check après cet épisode. Pendant cet épisode, comme ça je verrai ceux qui me suivent assidûment. Actuellement j'ai des problèmes pour les lives, je sais pas pourquoi. Ma connexion est parfaite, mais depuis que je suis passé à Windows 10 en fait, puisque c'est le seul truc qui a changé depuis mes précédents lives qui ont super bien fonctionné, c'est Windows 10. Alors je sais pas, je comprends pas. J'ai pourtant upgrader ma connexion en sorte que tous les lives précédents ont super bien fonctionné, il n'y a pas eu de soucis, mais là, j'arrive plus. On va crever de chaud, pardon, on va crever de chaud, hein, vague de chaleur, canicule, comme par hasard, on n'a toujours pas fabriqué donc la viande elle va pourrir quoi. Ça, fallait que je le mette dedans, l'établi bouché. Production, établi bouché. Ah, toujours pas de bois, mais c'est quoi ce délire? Il faut le mettre dedans. On va le laisser là, celui-là, en attendant, mais... Bon, les Alpha Castor, de toute façon, ils sont en train de nous pourrir la map, hein. Il bouffe tout le bois. Sanglier est mort. En train de pourrir. D'accord. On se demande pourquoi ils étaient morts, eux. Ah là 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 là. De vous faire découvrir ça. Turtle Goon, il continue à ramasser.
façon, comme c'est parti, là je pense que de la du fer, on en a toute cette partie-là. Ici, on va stocker les médicaments aussi. Produits manufacturés, les médicaments, voilà. C'est des chambres, donc là je vais commencer. Allez, voilà, bah résiste, j'ai pas de bois. Bon, qu'est-ce qu'il fout? Non, j'ai pas de bois. Bon, on avait demandé à quelqu'un de couper du bois en priorité. Ah oui, mais elle chasse. Bon, écoute. Toi, pour te changer un peu, tu vas nous faire du bois. Ça te changera un peu du ramassage. Oula, c'est quoi ça? Hier. Donc logiquement, ce lièvre est à nous. Tac, tac. Logiquement, il va nous rentrer à la base, il va revenir chez nous. Logiquement. Il va venir à la base. Voilà, et il va dormir. Voilà notre premier animal domestique. Bon, faudrait une femelle pour pouvoir les. Bah, elle est là, la femelle. Freya. Freya. On peut pas prioriser. Oh non, du feu. Non, non, pas ici, pas ici. Ah, la pluie. Merci, la pluie. Merci. Mauvaise humeur, qui encore? Danan, pourquoi? Ta femme, mange! Lui va réussir à s'enfermer dans. Pas nécessaire. Oui, oui. Je sais qu'il faut que vous faire à bouffer, mais il faut construire la table pour faire à bouffer. On arrive à la fin de cet épisode.
Alors, on va mettre pause. Donc, merci à tous et à toutes de suivre ce nouveau let's play. Ça me fait plaisir. J'espère que vous passez d'agréables moments à suivre ce let's play. Pensez à continuer à commenter, à partager vos idées sur ce Rimworld, à dire ce que vous en pensez de Rimworld. Et voilà. Alors donc pensez à liker, partager, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde.